aux infos. Grisou, il est très très bien, toujours joyeux, toujours en forme, il se bat pour l'équipe. Ce n'est pas parce qu'il n'a pas marqué le dernier match que ce n'est pas le même Grisou. On peut lui dire ah, parce qu'il a signé, il pense à son club, mais non. Comme je vous ai déjà dit avant la Coupe du Monde, ne touchez pas mon Grisou. Vous avez oublié l'Euro, ne touchez pas mon Grisou. Et la Coupe du Monde encore, ce n'est pas fini. On a encore des matchs, on est qualifié pour les huitièmes. Pensez à ça, au boulot qu'il fait. On a fait un boulot défensif intense. Vous avez vu contre le Pérou, il était là, on revenait, on était compact. Donc Grisou, il a ses qualités, vous le savez, tout le monde le sait. Donc encore une fois, touchez pas à mon Grisou.